Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarmouches sanglantes avec les tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. Nous approchions du berceau de cette révolte, fief du roi Oswald et de sa fille guerrière. Des éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchait. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, nous n'aurons aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont 20 fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudica sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes pour obtenir sa libération. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Rome et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont aucun honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. Notre châtiment ? Ou le tien ? Commandant ! Assez ! Nous allons mater cette rébellion à ma façon. Sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Est-ce que c'est clair, Centurion ? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudica. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leurs renforts. Et quels sont mes ordres ? Je t'ai promis du sang, tu te souviens ? Tu vas capturer Oswald et Boudica. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'aqueduc. Tu commenceras donc tout seul. Je suis à vos ordres. C'est un honneur. Vous avez entendu, Boudica. On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Ils ont perdu leur général et ils vont tout faire pour le récupérer. Si vous entendez quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, donnez l'alarme. Des questions ? Envoyez-le en anglais. Le pauvre Romain a perdu sa légion. C'est trop dangereux de traverser ici.
par les dieux. Quel destin est cela? Mourir étranglé ou pris au piège? Ça devait être la 4e Légion. Nous envoyer ici pour chasser des fantômes. Tu patrouilles dans la forêt parce que t'es un idiot. Un Romain. Ouais, et ça va pour ton furieux. Tu vas te... qui tenterait de prendre l'Aqueduc. Ça m'étonnerait qu'ils survivent aux archers postés par Boudica là-haut. Alors on se contente de patrouiller la forêt pour s'assurer qu'aucun... Ça par exemple... C'est perdu, Romain. Où se lâche ta Légion?
Rends-toi, ou leur légion approche. Positionne tes archers au bord de la route. Et préparez-vous à tirer à mon commandement. À vos ordres. Je dois pouvoir monter par là. Ensuite, retourne en finir avec sa défense.
que tu fasses. C'est bon! Avancez! Celui-là. Il est à moi. En venant ici, tu as signé ton arrêt de mort. Toi. Vous avez trahi Ron. Vous avez tué des femmes et des enfants, tous innocents. Et comment crois-tu que ton empire a été bâti? Ça va demander de venir ici. Ah, je suis prête à tout pour défendre les miens. Yeah!
des légionnaires. En formation. Tenez! Je veux connaître leur position! Un passage! Sur votre droite! Occupez-les! Attaquez à mon commandement! Je dois faire vite. La ligne ne tiendra pas longtemps. Ah!
Oswald. Comment osez-vous? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous souillez notre temple. Garde.
combattons pour la gloire de Rome. Mais où est la gloire ici? Les Bretons n'accepteront jamais la paix si nous les traitons ainsi. Ce doit être l'œuvre des Prétoriens. Je vous présente Basilius, le fils de l'empereur. Commandant Vitalian, vous arrivez à point nommé, bravo. Quelques instants plus tard, et vous auriez manqué les réjouissances. J'espère que votre voyage n'a pas été trop difficile. Sire, permettez-moi... La garde prétorienne va prendre la relève. Garde, occupez-vous du barbare. Sire, je m'élève contre... Vous l'ignoreriez. Nous sommes toujours sans nouvelles de mon frère Commodus. J'ai bien l'intention de découvrir ce que ces sauvages lui ont fait. Nous, les Bretons, vivions en paix sous le règne du vieux chef romain. Mais ce nouveau chef Commodus, fils de votre empereur, est abject. Il mérite réellement son sort. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien, voilà qui prouve que Bretons et Romains n'aiment pas de la même manière. Votre fille. C'est une vraie beauté. Fouettez-la jusqu'à ce qu'il parle, ou qu'elle meure. Advienne que pourra. Non ! Tire ! Comment ? Posez-vous ! Osez-vous. Je suis le fils de l'empereur. Je fais ce que bon me semble. Pas ça! Non! Pitié! Pas ça! Je vais tout vous dire! Nous avons livré le chef Commodus au roi des contrées du Nord. Par-delà le mur. Pitié! Relâchez ma fille! Je vous en supplie! Voyez! C'est le seul langage que ces barbares comprennent. Le langage de la force. Vous trouverez votre chef dans les sombres contrées par-delà le mur. Là où les montagnes désolées plongent dans les lacs obscurs et s'en font. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Oh, comme c'est fascinant. Commandant Vitalion, j'ai une mission pour vous. Conduisez vos hommes au nord vers ces montagnes désolées. Et ramenez mon frère. Garde. Enfermez les prisonniers. Prépare les hommes. Vous entendez le commandant? Préparez-vous à marcher. Centurion. Nous partons au nord. À vos ordres.